Y'a-t-il pas un autre Volvoltia encore? Ils sont trop Volvoltia les gars dans la paille. Il est mort, il est mort. Comment? Mais. Internet, il est tué par Will! Kevin, reste calme! Je te fous le cap pour moi! J'ai eu pantalon. Darwin, Darwin. 14, 14, 7! Wesh les moches, c'est Kidiat, on se reprend pour un bon vieux trapping montage. J'espère que ça vous fera plaisir parce qu'en vrai c'était quand même assez chaud de trapper trois fois Volca, mais bon, ça, on va pas en parler. Sinon, je voulais aussi m'excuser pour les bruits de fond qu'il y avait eu. Je pense qu'on était une dizaine dans le channel et j'avais pas eu le temps de me préparer à l'avance. Je me suis tapé et instant, il y avait trappé trois fois Volca. Du coup, bah désolé, s'il y a quelques bruits de fond, j'étais avec les alliés sur Discord, etc. Mais sinon, ouais, voilà, à l'ancienne, je faisais des gros trapping montage, puis j'espère que ça vous fera plaisir que j'en refasse un. Ça me tentait vraiment depuis un moment d'en refaire. Sinon, je voulais aussi m'excuser pour un autre truc, en fait, pour les présentations de serveurs. Parce qu'en gros, depuis que je suis revenu sur YouTube, bon, déjà, on va prendre un moment pour souligner mon retour parce que je me souviens même pas de la dernière fois que j'ai vraiment été actif. Et du coup, je recommence enfin à l'être. Puis sinon, ben merci pour tous les commentaires et tout, des gens qui sont gentils avec moi. Bref, on s'en fout. Mais du coup, depuis mon retour, j'ai fait quelques présentations de serveurs pour Spirit Fight ou Octonia par exemple. Et puis, ben selon moi, c'est des bons serveurs. En fait, je fais pas de présentation pour des serveurs merdiques. Octonia, je comptais aller jouer dessus. Finalement, j'y suis pas allé, mais Spirit Fight, j'y suis vraiment été. Et du coup, ben c'est des bonnes expériences. C'est pas des serveurs de merde que je vous montrais. Mais je voulais vous préciser que justement, dans les prochains records, il y en aura moins. Ça va prendre une pause des présentations de serveurs parce que justement, je ne fais pas que ça pour l'argent comme plus quelques personnes ont dit. Bref, du coup voilà, aujourd'hui c'est une des dernières pour les quelques projets records qui va être pour Orion. Contrairement aux dernières, je n'ai pas été payé pour celle-là, du coup je l'ai faite gratuitement, parce que vraiment Orion, vous allez voir, je vais prendre une petite partie de leur nouveauté juste après, mais j'adore leur serveur, je compte y aller avec ma faction, du coup ben c'est pas compliqué, je vais aller jouer là-bas, c'est sûr et certain. Bref, je vous en parle tout de suite après, et juste avant de vous laisser avec tout ça, je vais vous laisser avec un petit concours. Donc dernier cas, je vais gagner 500 PB, bim, GG à toi mec, tu gagnes 500 PB, et pour le nouveau concours, je vais faire gagner un full Volca vu qu'on trappe un petit mec, ben on va faire 3 mecs full Volca en gros. Du coup, je vais gagner un full Volca pour la vidéo. Donc, pas compliqué, pour participer, comme d'habitude, faut liker, s'abonner et puis commenter votre pseudo sur Cofaction. Donc voilà, hein, comme d'habitude, petit concours. Sinon, je vous laisse avec la présentation et juste après le trapping montage. Du coup, ben voilà. Ciao, ciao les jeunes. Ouais les mecs, du coup on se retrouve pour une petite présentation d'Orion. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, je compte venir jouer à l'ouverture et j'ai une petite bonne nouvelle pour vous. Donc si vous comptez nous suivre, moi et ma faction sur Orion, je vais vous faire win 10€ de points boutique sur le serveur, donc c'est pas compliqué. Pour participer, comme d'habitude, faut liker, s'abonner et puis commenter votre pseudo que vous aurez sur Orion. Le résultat du concours sera probablement autour du, je sais pas moi, à l'ouverture ou sinon sur ma première vidéo sur Orion, il y aura le résultat du concours, donc bonne chance à tous. Sinon comme d'hab, à chacune de mes présentations, il y a tout le temps toutes les infos du serveur, donc leur Twitter, ou que moi-même je vais faire des concours pour faire gagner encore plus de PB, ainsi que eux autres même d'autres youtubeurs. En bref, il y a leur Twitter, il y a leur Discord, il y a tout dans la description. Donc si vous êtes intéressé à venir, bah allez. Sinon, j'ai commencé par la petite présentation, mais en gros, j'aurais vraiment pas le temps de tout vous présenter. Donc les serveurs, c'est un petit peu comme sur Nexion pour ceux qui ont connu. Bon, premièrement, ils ont déjà le même staff, donc c'est Flows, Dreamzy, 1399, etc. J'ai oublié un fondateur, mais en gros, il y a le même staff, les mêmes fondats, les mêmes modos, etc. que sur Nexion. Et vraiment, Nexion, j'avais adoré jouer là-bas, c'était une bonne ambiance avec le staff, une bonne ambiance, une game, bref. Mais du coup, c'est la même chose. Énormément de nouveautés inédites que j'ai jamais vu nulle part, comme juste ça par exemple un laboratoire, je vais vous montrer juste après, mais j'aurai jamais le temps de tout vous présenter les nouveautés. Donc en ça, je vais vous présenter vraiment une infime partie du serveur, genre 40% du serveur. Donc si vous voulez tout apprendre sur le serveur, ben vraiment venez à l'ouverture. Du coup, commençons, je vais commencer par un petit ajout PVP. Donc déjà là, il y a le PVP Gambling, c'est pas compliqué. Vous savez c'est quoi le PVP Gambling, il y en avait beaucoup sur Skill PVP, mais là c'est la même chose, mais dans une arène. Donc en ça, vous allez choisir ces PNJ là au spawn, créer un match, il y aura plusieurs kits, donc en gros un kit P4, un kit P1, etc. Il y a plein de kits que vous pourrez faire un PVP contre un mec. Donc le stuff vous sera give et vous pourrez parier des items ou de la monnaie. Donc en ça, je vais parier un full P4, je sais pas, au moins un P4, un full P4 diamant. Ben je vais au PNJ, je fais parier mon full P4 diamant, je fais un 20 contre un mec et si je gagne, je gagne son P4 diamant. C'est ça le but d'un PvP gambling, mais c'est vraiment parfait qu'ils mettent un PNJ, comme ça ben y a pas d'arnaque quoi. Ensuite, une de leurs ajouts forts sur le serveur, c'est leur laboratoire. Donc en ça, c'est pas compliqué. T'as un microscope qui va permettre d'améliorer un paquet d'items, comme par exemple des fours, des enclumes, etc., des épées aussi. Et en gros, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en soi, les alambics, c'est vraiment simple. L'alambic level 1, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'au lieu que ça fasse 3 potions en même temps, ça va en faire 6 en même temps pour un seul ingrédient. Donc déjà, ça coûte moins d'ingrédients et c'est beaucoup plus rapide pour faire des potions. Et pareil, le level 2, vous pourrez faire 9 potions en même temps. Donc en soi, vous avez un alambic, ça va coûter cher à améliorer parce qu'en gros, ça, c'est des engrenages qui sont seulement obtenables dans les events au début du serveur. Plus tard, j'imagine qu'ils vont les mettre achetables ou achats pour une cornée de genre. Mais en gros, ça va être pour crafter des alambics spéciaux, des fours spéciaux qui permettent de dupliquer les minerais, parce que le fortune ne fonctionne pas sur les nouveaux minerais et sur les minerais d'émeraude par exemple, que je vais vous montrer un petit peu après, qui ont pas mal d'utilité. Et pareil, il y a aussi des enclumes améliorées. C'est juste écrit ici, ça réduit le coût de réparation et ça réduit le nombre d'objets. Donc exemple, il faut 3 diamants pour y faire un plastron en diamant, mais là il va en falloir seulement 2 puis moins d'XP par exemple.
Bref, c'est vraiment leur ajout fort, comme que je disais tout à l'heure, ben, c'est vraiment inédit, on n'a jamais vu ça nulle part, des trucs du genre. Ensuite, pour le PvP, c'est pas compliqué, le PvP, il joue principalement en drop, c'est pas un but serveur où le PvP, c'est ton armure qui va broke en premier, mais en gros, j'adore ça, parce qu'il n'y a pas 10 000 armures. En gros, c'est un petit peu comme du HF, j'essaie de me dépêcher dans cette explication-là, mais c'est un petit peu comme du HF. Donc en soi, le meilleur stuff, c'est du full diamant pour PvP, non, en fait, le meilleur stuff, c'est du full emerald, mais le stuff commun, c'est du full diamant. Donc en soi, il n'y a pas 10 000 nouveautés pour les armures, il y a souvent des armures de recherche de base, de pillage, etc. Mais il n'y a pas de full stuff pour PvP, sauf le full emerald et l'épée vol d'argent, vol thune. Du coup, c'est extrêmement facile de se faire un P4. Genre, vous arrivez sur le serveur, au bout d'une heure, vous menez 24 diamants, vous faites un full stuff, vous l'enchantez P4 et vous allez directement en PvP. Donc, comme ça, il y aura beaucoup plus de PvP sur le serveur parce que justement, surtout que les events qui sont beaucoup axés au PvP, ben, ça sera facile pour tout le monde de se faire un stuff. Fait qu'en ça, ben, personnellement, j'adore cet aspect-là. Il y en a plein qui vont dire que c'est un petit peu con de mettre seulement une armure en diamant, que ça va être étrange. Mais ça change complètement de gameplay. On n'a jamais vu ça sur du PvP fac français. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Mais en vrai, je pense que ça va être une bonne ajout. Parce que la seule armure justement spéciale, c'est l'émeraude. Puis il n'y a pas non plus une si grande différence que ça qu'avec le diamant. Genre, c'est meilleur, c'est sûr, l'émeraude, mais c'est pas non plus OP. Ensuite, comme connexion, il y a un arc spécial pour le punch, donc tu peux pas avoir un arc normal pour le punch. La voltune, ça permet de voler un certain pourcentage d'argent aux ennemis quand tu les tues et tu auras un paquet de nouveautés. Il y a trois nouveaux stuff, un stuff de recherche, etc. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais que je vais pas vous présenter. Sinon, un des derniers trucs que je vais vous présenter aujourd'hui pour Orion, c'est pas compliqué, le Sachef Skill, ça vous permet d'augmenter des améliorations de faction. Donc en soi, vous pouvez les lire ici. C'est plein d'améliorations de faction. Par exemple, que je choisis d'améliorer le fly, en fait, ça vous coûte 300 000$, donc ça va donner des points de classement aussi quand on va l'acheter. Comme vous cliquez acheter sur cette compétence, vous allez cliquer sur valider et tous ensemble votre faction, vous allez devoir mettre 300 000$ dans votre faction. Et quand vous aurez mis les 300 000, vous pourrez fly dans les claims comme le dit le machin. Comme ça, vous pourrez set des warps de faction, protection de claims, etc. Bref, vous allez découvrir ça à l'ouverture. Du coup, voilà, j'ai fait le tour encore une fois d'une petite partie de nouveauté. Il y en a encore pas mal, j'ai pas le temps de présenter. Juste les events inédits, l'enchère, le loto, etc. Bref, il y a un paquet de trucs que je peux pas vous montrer. Donc voilà, j'ai pas plus de temps. Je vous laisse avec la vraie vidéo sur K-Faction. Et j'ai bien hâte au samedi. Ah oui, j'ai même pas dit là, l'ouverture. C'est le samedi. Attendez. L'ouverture sera samedi le 27. Donc je vous attends sur le serveur. Moi j'y serai avec ma faction. Et puis bref, comme j'ai dit, je vous laisse sur du K-Faction. Donc ciao ciao les jeunes. Mais t'es sûr que l'eau c'est très utile en fait? Ah oui, parce que c'est oui, dans les coins comme de la cryptie en fait. Ouais, voilà. Mais tu veux pas de la cryptie au pire? J'ai pas de crédit gros, j'ai tout dépensé. Mais tu veux. Mais en fait, c'est bon la crédit. Oh putain de bunker. Moi je pourrais en mettre si tu veux. J'en mettrai si tu veux tout à l'heure. Mais là pour l'instant y'a pas de dynamite, mais ah y'a broke quoi. Il a plus pomme cheat. Non, il a ôté son casque, il a ôté son casque, mais c'est pomme cheat. Ah non, il a pas ôté, je suis débile. Non, il a pas ôté son casque. Bon. Quoi? Oh non! Ouais! Il a des échelles, faut fermer ça gros. Ouais, faut fermer, il a des échelles. On aurait dit qu'il y aurait fly gros. Bah oui, mais il a des échelles, faut fermer ça gros. Mais d'ailleurs, pourquoi vous avez ça en fait, justement? Il est où? Y'a tout le monde qui quoi? Il est quoi? Non mais fermez pas comme ça, oh, fermez pas comme ça. Comme ça, faut bien fermer. Faut-tu fermer en fait? Attends, je m'occupe de fermer, attends. Comme ça. Non, release pas comme ça. Y'a type un autre full voltier encore, ils sont trop full voltier les gars dans la pays. Hein. Comme ça. Kitka, tu sais qu'on a payé moins 30, tu sais qu'on va prendre tarif là. Bah oui, mais bon. Tu déjà. Ouais, mais il va pas comme ça. Hein. Il va avoir du mal. Même si back dans l'échelle, mais non, c'est facile avec l'échelle. En fait, avec lui, ce sera plus compliqué. Neways et Scroll. On le fout le beau gros. Si on lui met une flèche, il tombe. Qu'on peut, on peut pas, on peut obligé de. Ah, comme, tu record. Ah oui, c'est bon, vas-y, comme il record, c'est bon, mec. Alors, gros, sur les drops, je record. Mais moi aussi, gros sale. Mais bon, bah écoute, c'est un bonjour. Ah non, par contre, ça sert. Non, mais pourquoi y'a ça ici? C'est qui cet enfant? C'est quoi ces piliers de mort? Ouais, je sais, c'est des piliers qui ont eu un problème. En fait, c'est. Des piliers ont un problème. C'est un AP que j'ai surclaim. Bah, comme je ferme ces piliers là, gros. Tu sais qu'ils peuvent pas qu'ils y aillent dedans. Les gars, c'est moi qui craque. Ouais, c'est toi. Oui, c'est toi qui crash. Arrête de rec. Mais non, mais gros, en plus en record, gros, je suis à 140 FPS, mec, c'est la première fois que je suis ça. Les piliers comme ça. Parce que genre là, il peut pas qu'easy. Oh, bah tiens, ouais. Il a pris une position 30 qui te casse bon. Encore. Ah, d'ailleurs, il m'a MP, retire l'eau. Pourquoi je ferais ça? Non, mais t'es pas chaud, tire pas l'eau, on va se faire dépoter avec l'eau, gros. 30%, est-ce qu'il y a qu'un machin habite là? Bah, c'est même le PC, il fait crash. Faut le taper le plus possible quand il se fait crash, hein, parce que c'est là qu'il va. Scroin a presque plus bon, de perles, il a niqué plusieurs stacks. C'est bon. Allez. Le punch. Qui s'occupe de punch tout le temps? Ouais, c'est bon. En fait, le punch, faut être en dessous de lui pour punch, en fait, sinon ça va pas marcher. Et puis on drop, c'est marrant. Hein. Bah oui, c'est marrant. Rep on cheat, encore? Lire des buffs, mais. Attends, pardon. Ah, disparu. On l'a dit quoi?
Oula, c'est son épée. Qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? On aurait dit son épée. Il a dit oula. J'ai entendu oula, Dim, c'est son AP. Il est mort. Il est mort? Mais. Attends, t'es tué par Will? Kevin, reste calme. Je te fous le capron. J'ai eu pantalon. Comment c'est qu'il est mort? J'ai rien eu. Il y a des cons ou quoi? Il y a des cons pour fly. Allez, on. Allez, on va récupérer. Vous avez tout ou pas? Vous avez tout? Non, j'ai pantalon. Moi, j'ai pantalon. J'ai plastron. Les gars, mon argent a été boosté. Je viens de gagner. Je te recorde, gros. Mais c'est 150€ là, gros. plus le trailer du. Dans l'arrière, gros. Mes vues viennent de tripler là. Je drop un full Volca dans mon AP. Oh my god, dingue. Oh, Neways, il est revenu. Les autres ils vont back. Non, scroll. Mais je me suis fait un plastron. Putain, je suis frais. Putain, j'ai dit gros, je te dis frère, c'est où les mots, on a campé. Double débuff, les gars. Ouais, je reste en haut, tu vois. Double débuff, les gars. Non, c'est bon, je vais venir avec vous. Mais pingouin, mute-toi sans jamais de serveur, pingouin, mute-toi. Ah, fais gaffe, oui. Ah merde, c'est pas ça. Will, t'es un génie. C'est ce time, on est pingouin, on est pas. Il va DP, je crois, il va DP. Bah, on le ralasse en plus. Non, il est en haut. Bah oui, ok, est-ce que t'es flash atteigne? Non. Il a des coups. Ok, bah j'arrive que toute la journée, c'est bon. Quoi, toute la journée, bien Neways encore. Bon, allez, encore la Neways. Ma mère, ce soir je dors pas. Ouais, tu dors pas avec moi. Ce soir. Attends, les gars, on a peut-être encore Neways, hein. Il dépend tout de ses perles actuellement. What? Quand il a réussi à rentrer dans le bloc? What? Attends, sa perle, il a fait sa perle. Ah oui, le stun. Il va mourir? Attends, il va mourir, pas des cons. Non, il va. S'il remonte comme ça, gros, je te jure, je drop mon EC. Mais il est rendu tout en haut, hein. Il est rendu tout en haut, là, presque. Je suis là, c'est bon, je l'intercepte. Il va mourir, 21%? Darwin, tape le. 14, 7, 2, 1, c'est bon! Mort! C'est bon! J'ai eu encore les pantalons. Hostie, gros, ils sont tellement. Vous avez tout? Oh les mecs, je viens tout juste de penser en fait qu'on a oublié de faire une petite outro en fait. Donc on a drop les deux full Volca. Le troisième a réussi à être déconnecté comme vous avez sûrement vu, mais je sais pas si vous avez compris. Du coup voilà, il a réussi à être déco en étant plus en combat. Mais on va l'attendre une bonne partie de la soirée. Bon, en fait, certains membres de ma fac veulent l'attendre. Donc on va bien voir si ça reconnecte. Et si oui, ben ça va suivre ce record là. Mais sinon, ben voilà, on a récupéré à peu près deux full Volca. Genre il y a une partie du stuff qui ont eu ce bug les murs, puis ils ont clear lag, etc. Bref, on a récupéré presque deux full Volca. On s'est partagé. Et puis merci pour ce beau record. Il va faire beaucoup de views comme à l'ancienne. Hein. clin d'œil. Bref, je vous laisse sûrement avec ou avec la fin du record. Du coup, bah, ciao les jeunes.